pour beaucoup plus. Nous te disons au nom du CF Montréal et des supporters, merci Guy Lafleur. Je vous invite maintenant à joindre les deux équipes ainsi que les arbitres du match pour un moment de silence. Please join both teams and officials in a moment of silence. Salut Guy, oui, l'ensemble des joueurs du CF Montréal portait le maillot numéro 10, floqué du numéro 10 à l'honneur de Guy. Sports. Stade Saputo, the venue. The opening kick is brought to you by Mercedes-Benz. Two teams with identical records entering this game. Fin de la part de Mijanovic, MZ. Ballon au second poteau. Mais il n'était pas mêlé! Comment mêlé au remorque? Et une combinaison qui fonctionne. Georgi Mihajlovic qui se retourne directement vers le banc. Ça, c'est un grand numéro d'acteur, j'ai l'impression, de la part de Mihajlovic et d'Amdi. Cette fausse incompréhension qui permet finalement dans cette saison, parce qu'il a encaissé un très mauvais but, le but de l'égalisation d'Atlanta, on s'en rappelle. Et depuis, il n'a pas fait de bon ni de mauvais match. Il a traversé... Au moment où on arrive à la 10e minute... La foule du stade Saputo qui... Antoine Le Guy. Meurt de Guy Lafleur dont les funérailles seront célébrées mardi prochain. Voilà, moment à gérer là, pour le CF Montréal. Araújo y est, au ballon. La frappe sur la droite, encore une fois Brésard. Qui répond Brésard, détourne ce ballon et ce sera coup de pied de coin. Falls kindly from Marcelino Moreno. Lovely drag back Moreno! Oh yes! Marcelino Moreno takes it out of the sky. A little shimmy and a shake and Atlanta are level. Assurément, il avait joué un match de titan la dernière fois à Atlanta au Mercedes-Benz Stadium. Un but, une passe, un pénalty provoqué. Un peu plus en difficulté aujourd'hui. Mais là, c'est pas grave. On a des options sur le banc. Et Samuel Piette ne demande que ça. On a besoin d'un peu plus de contrôle.